Salut à toutes et à tous. Et oui, on est déjà à nouveau reparti sur Don't Starve, malgré notre mort il y a quelques jours maintenant. J'ai décidé de continuer quand même à vous faire des vidéos dessus, puisqu'effectivement, comme certains me l'ont dit, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à découvrir sur le jeu. Je suis loin de tout comprendre et de tout maîtriser, très très loin même. Ce qui fait qu'en fait, j'ai recommencé une partie pour vous épargner un peu la construction du camp et tout ce qu'on fait au début de partie, puisque c'est assez long et là, il n'y a plus rien de neuf, puisque je fais à peu près à chaque fois la même chose. Du coup, j'ai cependant commencé une nouvelle partie, mais avec un autre personnage. J'ai pris cette jeune fille pour changer un petit peu aussi de personnage, voir ce que ça peut apporter. Ça rend le jeu un petit peu plus compliqué, mais j'ai eu beaucoup de chance sur la carte, vous allez très vite le voir. Alors, on recommence de là, donc on repart du jour 15, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de l'hiver et que j'ai plein de préparatifs encore à faire pour l'hiver. J'ai déjà trouvé un endroit, un creux en fait, où il y a une grotte, parce que comme vous le voyez là à gauche, aujourd'hui, il nous reste 3 jours avant la prochaine update, qui devrait rajouter des trucs dans les grottes, d'après ce que il me semble, de mémoire, d'après ce que j'ai lu. Donc j'espère que ça va s'appliquer et qu'on pourra aller y voir, puisque vous vous souvenez, les grottes m'avaient un petit peu déçu, hein, il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais ça, on va y revenir aussi, on va tout revoir. C'est pour ça que je vais quand même continuer à vous faire des vidéos sur Don't Starve. De toute façon, j'ai pas directement d'idée pour un autre jeu. Pour un autre jeu secondaire, hein, bien entendu, puisque pour le let's play principal qui sortira les autres jours, j'ai encore des idées, beaucoup même. Donc voilà, je vais vite vous parler de la carte. Donc comme vous voyez, j'ai déjà exploré pas mal. Donc il y a pas mal de biomes. Les biomes sont très grands et bien répartis, ce qui est pas mal. Là où il y a des marais avec plein de roseaux. Là en bas, il y a plein de pierres. Enfin, il n'y en a plus beaucoup, comme vous pouvez le voir sur la carte, mais il y a plein de pierres. Là, il y a un champ gigantesque avec des lapins partout. Il y a des bisons là-haut. J'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que alors là où j'ai établi mon camp, je l'ai établi ici. Là, tout autour, il y a des lapins partout. Et puis là où il y en a encore plus, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de lapins. Alors bon, il y a des baies partout aussi. J'ai aussi trouvé ce machin là, que je vais vous montrer tout à l'heure. En fait, on n'en avait pas encore vu jusqu'à présent. Je vous en avais jamais parlé. Je m'en étais en fait jamais approché de ces machins. Ce que j'avais eu vachement tort de faire en fait. Donc vous le voyez dans mon inventaire, j'ai aussi eu beaucoup de chance en début de partie puisque j'ai eu pas mal de j'ai eu pas mal de matériaux de base déjà directement dès le début, ce qui fait que j'ai pu commencer assez vite. J'ai trouvé plein de trucs vachement pratiques, par exemple là, ce truc là, le casque de mineur qui permettra de beaucoup me faciliter la vie dans la mine, ou alors si je dois une fois fuir pendant la nuit. J'ai vraiment trouvé plein de trucs et j'ai enfin chopé le coup grâce au conseil encore une fois d'un de vous. J'ai chopé le coup pour capturer des araignées et me faire une tonne de soie, ce qui veut dire que je vais pouvoir faire plein de trucs, notamment des fléchettes, puisque j'ai pu essayer les fléchettes de feu, c'est de la tuerie ce machin. Avec ça, je vais pas me refaire tuer. Là par exemple, les chiens qui m'ont eu la dernière partie, ils vont pas faire les malins face à ça. Là, je vais leur foutre le feu, ils vont rien comprendre. Donc, je vais aller justement chercher de la soie parce que je voulais me faire. Ah bah attendez, je vais me faire un filet à papillon. Ça, je vous l'avais jamais encore montré. Il y a encore plein de trucs en fait que j'ai remarqué que je vous avais pas montré effectivement. On peut se faire un filet à papillon. Il y a beaucoup de trucs qui demandent de la soie et jusqu'à présent j'avais jamais réussi à en trouver. Et maintenant que j'ai la main pour capturer des araignées et donc de la soie. Voilà, hop, on va se faire un petit filet à papillon. Hop. Je vais en profiter pour aller ramasser des abeilles qui vont me donner des dards. Hein. Donc les dards qui sont utilisés pour les fléchettes. Et là, je vais vite aller à droite. Donc ça, je ne vous en avais jamais parlé puisque j'avais jamais compris à quoi ça servait. J'avais jamais osé m'en approcher parce que vous voyez là à droite, il y a des têtes de cochon sur des pics. En fait, ces machins là, c'est Touchstone. Un conseil, si vous tombez dessus pendant une partie, allez-y absolument et activez-la parce que c'est un item qu'il faut activer. Et en fait, c'est super pratique ce machin parce que si vous mourrez, si maintenant là je venais à me faire tuer par un truc, on réapparaît ici. On perd nos objets, donc nos objets, ils vont être perdus, ils vont tomber à l'endroit où on est mort. Par contre, on va pas perdre la partie, c'est-à-dire qu'on va être ressuscité ici, à cet endroit où il y a cette Touchstone. C'est un des items où un des moyens avec lesquels on peut ressusciter en fait. Ce qui veut dire que là j'ai une assurance vie. C'est-à-dire que si je refais n'importe quoi comme dans la dernière partie et que je meurs bêtement, bah, l'avantage c'est qu'on va pouvoir revenir en arrière et qu'on va donc pouvoir survivre. Mais par contre, je vous annonce tout de suite, j'ai pas du tout l'intérêt de mourir bêtement. Cette fois-ci, je crois que on va passer l'hiver tranquille. Hein. Je suis désolé, l'hiver va peut-être être un peu long, mais j'ai vraiment envie de faire cette fois-ci un hiver tranquille. C'est-à-dire que je vais pas faire n'importe quoi. Je vais y aller tranquillement. Je vais surtout éviter de mourir bêtement, quoi. Là, je vais aller me capturer quelques insectes, là, quelques abeilles. Il n'y en a pas pour l'instant. Ah, si, là-bas. Allez, on va aller l'attraper. Parce que les abeilles nous donnent des dards, et les dards sont très pratiques, hop, pour capturer des... pour nous fabriquer, en fait, après des fléchettes, justement. Le problème, c'est ça, c'est que dès qu'on en capture une, il y a l'essaim qui nous court après, mais c'est super simple à éviter, hein. Il ne nous court pas très très loin après. J'ai jamais eu de soucis avec les abeilles pour l'instant, donc
Voilà, elles ont déjà arrêté de me suivre. Vous voyez, j'ai de nouveau récupéré mon super coffre sur pattes, qui est toujours aussi pratique. Ce machin, il est toujours aussi pratique. Hop. Tac, ça nous fait un troisième dard. Et comme vous le voyez, là j'ai fait des fléchettes en feu, mais on peut aussi faire, voilà, c'est des fléchettes qui endorment les adversaires. Et là, j'utilise des dards et des plumes noires de corbeaux. Et des corbeaux, bah, il faudra aussi que je me fasse un... Ah merde, il va aussi falloir que je me fasse un piège à oiseaux. Je m'en avais déjà fait pour avoir des plumes rouges en fait. Parce qu'avec les plumes des oiseaux rouges, vous pouvez vous faire ça, des fléchettes enflammées. Et avec les plumes noires, vous pouvez faire apparemment, j'en ai encore jamais fait, mais des fléchettes qui permettent d'endormir les adversaires. Ou en tout cas de les ralentir. Ah, vous entendez ce bruit? Ça c'est signe de chien qui va m'agresser là. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon campement. Voilà. Puis là, vous voyez, ce personnage, il nous dit autre chose. Il nous dit the hounds are baying. Baying, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose que c'est le verbe qui définit en fait le bruit qu'ils font, les espèces de peut-être dire rugir, je sais pas, ou grogner, je sais pas. Peut-être absolument pas, je sais rien. Vous me corrigerez si vous savez ce que ça veut dire. Mais merde, mais ils sont déjà là. Vite, ma lance. C'est bon, il est tout seul. Bon, c'est bon. Et non, mais... Allez, toi, t'es fini. Merde, un autre. Mais ce qui est bien, vous voyez, c'est que... Il s'attaque à mon coffre. Du coup, pour l'instant, il me fout la paix. Allez, voilà. C'était que deux. Ah, tranquille. C'est bon, alors. Tiens, quand même, musique. Ah non, c'est bon. J'ai même pas eu besoin d'utiliser mes fléchettes là. Et franchement, mes fléchettes, je vais les garder de côté parce que c'est vraiment super puissant. Là, les fléchettes en feu, ça fait. Bah, c'est vraiment des fléchettes en feu quoi. C'est à dire que ça fout le feu à votre adversaire. C'est vraiment, vraiment très puissant. Je suis sûr que si on retombe par exemple sur un arbre là qui marche, je suis sûr qu'avec ça, j'ai de quoi lui foutre le feu et puis lui infliger énormément de dégâts. Hein. Le problème, c'est que là, il est fait bientôt nuit, donc je ne vais pas continuer. Je voulais aller chercher de la soie, mais comme je me suis fait agresser là, je vais pas le faire. Je vais plutôt aller. Merde, je vais plutôt aller me... Qu'est-ce que je fais? Essayer de l'attraper, celle-ci? Ouais, non, je vais essayer. Attendez. Elle est rouge, ça c'est une qui veut m'agresser, mais... Elle a peut-être un truc spécial, donc je vais essayer de la choper, voilà. Faut qu'elle rentre dans sa ruche. Allez, 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 allez. Hop. Ouais, c'est une killer bee. Elle est peut-être plus puissante, ou... Ouais, non, elle fait rien de plus. Sauf qu'elle m'a attaqué, elle m'a infligé quelques dégâts. Mais... Donc ce personnage, voilà, je vais pouvoir vous parler de ce personnage. Vous voyez ce fantôme qui est apparu. Alors d'après ce que dit le personnage, regardez son clic dessus. That's my twin sister Abigail. Donc twin sister, c'est la sœur jumelle. Donc je sais pas si c'est parce que ce personnage déconne, qu'il a aussi déjà tourné la carte lui, ou si c'est vraiment c'est sa sœur jumelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait que lorsque le soir tombe ou la nuit tombe, vous avez de temps en temps ce fantôme qui apparaît. Alors il sert pas à grand chose, disons que si vous en approchez trop près, il vous inflige des dégâts, ce qui est un peu con. Par contre, il peut vous servir quand même, il vous défend quand même si vous faites agresser. Donc ça a aussi un côté pratique. Même un côté très pratique, puisque vous voyez, j'ai déjà pu monter mes petits murs et tout, donc je me suis déjà fait un petit camp. J'ai déjà bien exploré la carte, ce qui fait que là, on part vraiment sur une carte que je connais mieux. J'ai quand même mis un petit moment pour préparer tout ça, ce qui veut dire que... Ça aurait pas été super passionnant si vous m'aviez vu faire ça. Voyons voir. Maintenant, je pense que... Non, il y a vraiment des trucs qui peuvent apparaître qui seront plus intéressants. Alors oui, ce personnage aussi, par rapport à notre cher Wolfgang, là, de Strongman qu'on avait jusqu'à présent, que j'avais toujours utilisé jusqu'à présent, elle a pas tous les avantages qu'il a. C'est-à-dire que son estomac se vide beaucoup plus vite, puisqu'il a beaucoup moins de continence, en fait. Elle a aussi beaucoup moins de vie, et elle frappe moins fort, ce qui fait que... Elle est moins forte en combat apparemment, mais jusqu'à présent, tous les combats que j'ai eu à faire, vous avez vu par exemple contre les chiens, je m'en suis vachement bien sorti, j'ai pas eu trop de problèmes. Et puis il faut juste que je... Et puis cette fois-ci, au moins je suis sûr que la bouffe, elle va pas pourrir avec ce personnage, parce que là, il faut vraiment la nourrir très souvent. Vous voyez? Vous voyez là, je sais pas si vous avez vu le fantôme, là, il est devenu tout rouge, il a fait des yeux tout fâchés, parce qu'il y a un oiseau qui lui a foncé dessus, en fait, qui lui a tiré dessus, et du coup, ça me permet d'obtenir une plume, voilà. Donc j'ai obtenu une plume en plus, ça va me permettre de faire une fléchette en plus. J'en ai pas beaucoup pour l'instant, j'en ai que 3, mais... Donc demain, on va aller ramasser de la soie, hein. Je vais aller chercher des araignées. Je vais aller chasser des araignées, ouais. Surtout que maintenant, j'ai vraiment pris le coup. J'arrive vraiment à bien les choper sans me faire avoir, donc... Alors, on va faire vite fait des...
Voilà des slips d'art. Hop. Ouais, c'est que mes poches elles sont vraiment pleines là, encore une fois. Tac. Tac, voilà, comme ça j'ai trois fléchettes qui endorment et deux fléchettes enflammées. Et d'après ce que j'ai vu aussi sur le wiki, parce que j'ai été jeter un œil, les armes infligent vraiment des dommages différents. Enfin, il y a des pourcentages de puissance des armes. Et les fléchettes, apparemment, d'après ce qui est écrit, si je me souviens bien, ça infligerait 300 points de dégâts. Et 300 points de dégâts, c'est juste hallucinant, c'est énorme par rapport aux dégâts que donnent les autres armes. Ce qui veut dire que ça permettrait vraiment de faire bah, de très très gros dégâts quoi, aux ennemis. Et ça, c'est pas perdu, hein. Ça, clairement, si je me fais agresser par des monstres ou par les espèces de phoques écossais, là, je sais toujours pas de... je m'attendais pas du tout. Effectivement, j'avais demandé, vous savez, là, on était tombé lors de ma dernière partie sur les Walrus Camp, là. Puis j'avais demandé ce que c'était, je comprenais pas ce que c'était ces trucs. En fait, j'ai compris maintenant, parce que l'un de vous m'avait dit qu'effectivement ça faisait popper un monstre spécial pendant l'hiver. Et en fait, c'est de ces fameux Walrus Camp, là, qu'il a dû sortir, je pense, l'espèce de machin, là, de phoque écossais. Ce qui veut forcément dire que, bah, du coup, je suis débile, en fait. J'avais qu'à pas y aller. Mais je savais pas où allait m'emmener le téléporteur, donc c'est pour ça que je suis mort. Là, pour l'instant, il y a deux téléporteurs. Celui-ci, il m'amène là-bas tout en bas, et c'est complètement sûr. Et ce téléporteur-là, il m'amène là-haut. Donc, en plein milieu des marais, c'est un petit peu dangereux, mais par contre, ça fait gagner beaucoup de temps si je veux aller chercher des roseaux. Ce qu'il faudra que je fasse, si je veux me faire encore des fléchettes, hein, parce que chaque fléchette, prend deux roseaux. Ce qui est assez énorme quand même. Deux roseaux, c'est beaucoup. Mais bon. Ah, par contre, j'ai oublié un truc. J'ai encore oublié de mettre ma petite minuterie, ce qui fait qu'on est à 11 minutes de jeu. Merci Steam. Ça va me permettre de faire gaffe. C'est bon, on a largement le temps. Donc aujourd'hui, on va aller chercher de la soie. Pas embêter les abeilles, là, parce qu'il y en a beaucoup. Parce que je vais me faire un piège à oiseaux, en fait. Ah, puis j'ai plus d'herbe pour me faire un piège. Alors il va falloir que j'aille chercher de l'herbe et des brindilles avant. Où est-ce qu'il y a de l'herbe? Ouais, là-bas il y a une prairie, donc il va y en avoir plein de l'herbe. Je commence à vraiment bien comprendre la carte. Surtout que là, la carte, j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de chance. Il y a vraiment... Là, par exemple, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une tonne de ruches. Là, il y a plein de... Là, en plus, d'habitude, on les trouve plutôt dans les marais, les mares où on peut pêcher des poissons. Ça aussi, il faudrait que j'en fasse. Mais là, il y en a plein des mares où on peut pêcher plein de poissons. Il y a des baies partout. Non, là sur cette carte, et je vous assure, j'ai pas changé les paramètres. Hein. Donc là, les paramètres que je vous avais déjà expliqué, qu'on pouvait paramétrer la partie, j'ai rien touché. Hein. J'ai mis le paramètre par défaut. Donc j'ai pas facilité le jeu ou quoi que ce soit. Dans un sens, je l'ai même compliqué le jeu parce que j'ai pas pris le personnage avec lequel j'ai l'habitude de jouer. Mais pour l'instant, franchement, je m'en sors mieux avec ce personnage. Peut-être que je mettais trop, j'avais trop confiance en l'autre personnage avant, puisqu'il avait de plus grosses jauges. Donc je sais pas, je m'occupais peut-être moins bien de mon perso. Mais pour l'instant, je joue pas mal. Ouais, disons que sur les 15 premiers jours que j'ai vécu, pour l'instant, je vous prouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Il ne reste plus qu'à confirmer ça maintenant que je vous fais des vidéos avec. Parce qu'évidemment, si maintenant je meurs comme un imbécile, ben, ça va pas vraiment le faire, mais. Ok. Ça repop super vite. Hein. J'avais vidé cette ruche de son contenu. Cette ruche. Équipe-toi, espèce d'andouille. Voilà, vous voyez, là, ils attaquent mon coffre. Alors, je pense qu'il a aussi une durée de vie, hein, le coffre. Il n'y a pas une vie infinie. Mais le fait qu'ils attaquent mon coffre, ça fait quand même qu'ils ont, ils m'attaquent pas moi, en fait. Ça fait une très bonne protection. Regardez, je vais foutre le piège, là. Je vais attirer les araignées. Tac, elle va tomber dedans. Bon, l'autre, elle en veut toujours à mon coffre. Ah, mais j'oublie tout le temps qu'il faut m'équiper de cette arme. Allez. Qu'est-ce qu'elle fait là? Allez, coupe-le en deux, voilà. Bon là, c'est pas facilité parce qu'il y a des arbres partout, donc c'est pas super facile, mais vous voyez? Donc en fait, c'est ça, il faudrait que je pose des pièges et que j'attire les araignées. En fait, elles vont tomber toutes seules dedans et ça va me permettre en fait de récupérer ce qu'elles me donnent. Voilà, en l'occurrence, c'était de la viande de monstre. Je m'en fiche un peu, mais... Tac, voilà, je tombe dedans. L'autre tombe dans son nid. Tac, encore de la viande de monstre. J'ai dû manger, pas de chance. Petit. Allez, tombe dans mon piège. Allez, gentille araignée. Viens te prendre dans mon piège. Allez, tombe dedans. Bah, elle est pas tombée dedans, là. C'est injuste. Ah non, ils sont vraiment pourris, les araignées, quand même. Niveau combat, c'est quand même vraiment pourri. Même avec un personnage beaucoup plus faible, j'arrive à me les faire sans problème. Alors, on va aller à la ruche d'en dessus. La ruche.
Maintenant, les araignées, elles vivent dans des ruches. Mais oui, non, mais ça va de mieux en mieux, moi. Non, pas de nid au-dessus. Allez. Bon, elle est plus grosse, celle-là, mais... Tac. Allez. Merci. Oui, en fait, c'est super facile. Alors, je m'étais jusqu'à présent, je m'étais toujours pris la tête pour rien. On a juste à faire ça, et puis voilà. On peut se farmer de la soie sans moins de problème. C'est vraiment pas compliqué, hein. Donnez-moi ça. En plus, elles sont vraiment regardez-moi ça, elles sont vraiment comme... J'arrive plus à parler. Elles sont connes comme des pelles, hein, ces machins. Je peux me les choper, mais sans moins de problème. Allez. Hop, au revoir. Je ne me couvre même pas après. Donc, je suis tranquille. Bon, par contre, pour l'instant, elles me donnent que de la viande de monstre, et ça, je m'en fous un peu. Parce que la viande de monstre... des machins pour planter mes plaies, ça peut être pas mal quand même. Ça peut être pas mal, là, les machins, là, les spider glands. Parce que ça me permet de panser mes plaies. Et de le soigner. Parce que j'ai de... Ah oui, je vous l'avais pas dit, en fait. Vous l'avez peut-être vu brièvement, là, quand j'ai ouvert le coffre. Je vais vite faire rentrer dans mon camp pour qu'il fait... Donc, il n'y a pas encore la nuit. J'ai ramassé... voilà, c'est deux mondragores. J'en avais jamais trouvé jusqu'à présent. Ça permet de faire des recettes, je ne sais plus ce que ça permet de faire. Je sais que ça permet de faire des trucs magiques, il me semble. En tout cas, j'ai ramassé deux mandragores. Je ne sais pas trop à quoi elles servent. On va d'ailleurs regarder ça maintenant, mais je vous le dis, j'ai vraiment eu de la chance. Elles étaient les deux l'une à côté de l'autre. J'ai eu beaucoup de chance de les trouver. J'en avais jamais trouvé, il me semble, de mémoire jusqu'à présent. Ou alors, ça m'a. Encore une fois, ça m'a pas frappé, parce que je m'en souviens plus. On va ramasser de ces machins, parce que j'ai bientôt plus d'herbe ou de brindilles. À force de me faire des pièges et des pièges et des pièges. De toute façon, il y a largement assez de ressources. Là, franchement, j'ai vraiment toutes les cartes en main. Si je fais pas n'importe quoi, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Bon, l'hiver, va bientôt nous toucher. Je pense que quand l'hiver va nous toucher, je vais arrêter la vidéo parce que. Ouais, on est à 16 minutes de vidéo, il y en a le jour 20, 17. Donc, je pense qu'on va attendre le jour 21, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Finalement, j'aurais pas fait une très grande pause de Don't Starve. Hein. Je m'étais dit, bon, je dis plus grand chose d'intéressant dans mes vidéos, je fais plus grand chose d'intéressant, donc je vais arrêter. Mais finalement, bah, être mort, comme... en fait, je suis mort bêtement, ce qui fait que ça m'a énervé. Et puis du coup, ça m'a relancé dans le jeu, ce qui fait que j'ai recommencé une partie. Et puis qu'en plus, comme j'ai eu beaucoup de chance sur la partie, bah, ça m'a bien motivé pour reprendre. Donc finalement, j'aurais pas fait de pause du tout, en fait. Hein. C'est vraiment un jeu qui, il faut, si vous prenez, franchement, si vous prenez au jeu, la durée de vie, elle est énorme. Parce que là, encore une fois, je vais ouvrir le truc, voilà, bon, ça fait 23 heures que je joue à ce jeu, depuis que je l'ai. J'ai déjà joué 23 heures dessus. Bah, ce qui est pas mal, quand même, pour un jeu... Je vais vous dire, franchement, pour un jeu, c'est pas mal, surtout pour un jeu indépendant. En général, les jeux indépendants, c'est de très bons jeux, mais ils n'ont pas forcément une durée de vie incroyable. En général, les jeux indépendants, ils ont une grande durée de vie, dans le sens où... Enfin, je fais une très grosse généralisation, hein, c'est très grossier, mais... En général, les jeux indépendants, c'est des jeux qu'il faut surtout prendre, choper le concept, et si on apprécie le concept du jeu, après, la rejouabilité, surtout, est très grande. Ce qui fait que le jeu a une longue durée de vie grâce à sa rejouabilité. Et là, c'est clairement le cas. Franchement, si vous vous prenez au jeu... Et puis là, on a encore rien effleuré. Hein. Franchement, niveau tout ce qui est scénario, ces machins-là, on a vraiment pas fait grand-chose encore. Hein. Je vais faire mon piège à oiseau, mon bird trap. Mettre quelques graines là, tac. Disons que c'est ce que j'ai aussi envie de vous faire. Donc là, on va attendre la mise à jour en espérant qu'elle s'applique sur cette partie que j'ai déjà commencé, pas comme la dernière fois où elle s'était pas appliquée. C'est pour ça que je vais pas ouvrir la grotte. Pour l'instant, j'irai dans les grottes seulement à partir du moment où il y aura la mise à jour. Et on va y aller ensemble, voir ce que cette mise à jour a rajouté. Tac, coupe-moi ça, s'il te plaît. Alors, rien voir là, j'ai de nouveau des glandes, j'ai des cendres, j'ai tout ce qu'il me faut, je crois, pour me faire mes médicaments. C'est dans quoi, médicaments? En survie, je pense. Je commence à m'y faire gentiment aussi à ça. Hein. Ah oui, c'est juste, il me faut des pierres pour... Ok. Il me faut des pierres pour me soigner, ça semble logique. Je commence gentiment à me faire à l'inventaire. Hein. J'ai eu du mal, vous en souvenez, mais. Il va falloir que je vide mes poches devant parce que là ça commence à faire beaucoup. Ah, mais je vais même pouvoir m'en faire plein de ces trucs. Hein. Bon, j'ai pas beaucoup, j'ai pas suffisamment de cendres, mais par contre j'ai largement assez de machin d'araignée là donc. Je crois que j'ai faim. Je vais manger un peu de ratatouille. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour reconstruire un truc comme ça? Il me faudrait trois cordes, puis j'ai pas assez de... Ouais.
Ah, vous voyez, j'ai déjà capturé un oiseau. Les pièges à oiseaux, ils permettent vraiment de capturer super vite des oiseaux. Il n'y a vraiment pas trop de problème avec ça. Surtout que le problème, c'est que les oiseaux rouges, on n'en trouve qu'en été. En hiver, on a des oiseaux bleus. Les oiseaux, on peut vraiment... Moi, j'ai encore jamais réussi à choper un oiseau sans... sans un piège. Ou avec le boomerang, mais vous vous souvenez certainement de ce que donne le boomerang avec moi. Ah là là, le boomerang. Ouais. Ça, c'est du bon souvenir, tiens, le boomerang. Note que la partie où j'étais mort à cause de ce boomerang pourri, ça reste quand même ma meilleure partie. Hein. J'ai jamais aussi bien joué depuis. Sur ma deuxième partie, j'avais fait n'importe quoi. Là, cette troisième partie... Ah, franchement, j'espère que je vais m'en sortir mieux. Et surtout que là, je suis armé. Hein. Franchement, là, il n'y a pas de monstre qui va pouvoir m'emmerder. Hein. Je sors les fléchettes, là. J'ai 6 fléchettes. Donc, si je me souviens bien des dégâts donnés par le wiki, ça fait 6 fois 300 points de dégâts. Plus le fait que les noirs, apparemment, elles endorment les adversaires. Et que les rouges, elles y foutent le feu. Franchement, j'ai vraiment de quoi faire beaucoup de dégâts, là. Là, ça va être leur fête aux monstres. Ils n'ont pas intérêt de venir m'emmerder. Alors oui, j'ai aussi suivi un conseil, c'est que, en fait, oui, c'est logique, c'est que ma forêt, plutôt que de la mettre directement à côté dans mon camp, voire dans mon camp, comme je faisais jusqu'à présent, je l'ai mis un peu plus loin, ce qui fait que si jamais il y a un éclair qui tombe dessus et que ça fout le feu, bah, c'est pas moi qui me fais... Il n'y a pas tout mon camp qui prend feu, ce qui aurait pu m'arriver aussi, j'ai jamais réfléchi, effectivement, mais j'aurais dû, parce qu'effectivement, c'est logique que tout mon camp aurait pris feu. Jusqu'à présent, j'ai eu de la chance, mais je préfère éviter de tenter le diable, encore une fois. Je vais être prudent sur cette partie, disons. Je vais être prudent. Je crois que dans ce jeu, on n'est jamais trop en prudent. Hein. J'aime bien ce perso, par contre. Il est sympa. Il a pas de, disons qu'il a aucun avantage particulier, à part le fantôme là qui arrive la nuit et qui sert... Ah, il faut bien l'avouer, il sert pas à grand-chose. Hein. Il est pratique s'il y a un monstre qui arrive. Par exemple, s'il y a les chiens qui arrivent, là, je peux la mettre sur une porte. Si je suis dans mon camp, je me positionne de manière à ce qu'elle soit sur un trou du mur. Du coup, ils vont foncer dessus, ils vont se faire massacrer. Là, j'avoue, ça peut être pratique pour la défense. Mais sinon, bon, c'est pas super utile, hein. Ça vaut pas les bonus qu'a le... Comment il s'appelait déjà? Wolfgang, là. Mais ça reste un personnage que j'aime bien. Il est sympa. Elle a une bonne tête quand même de psychopathe dégénéré. Hein. Je vous l'avais déjà dit, avec les orbites creuses, là, et tout, elle fait un peu flipper, quand même. Tous les personnages dans ce jeu, en général, font flipper, donc... c'est un personnage qui est sympathique. Voilà. Les persos de ce jeu sont sympas quand même, faut bien l'avouer. J'aurais aussi pu prendre l'autre là qui fout le feu à tout, mais... Alors attendez, faut que je réfléchisse maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux demander d'y mettre par terre, je peux demander d'y mettre là-dedans, merci. Ok, bon ça on peut y mettre là-dedans. Vous voyez, il y a vraiment des lapins partout, hein. Là j'ai mes pièges qui sont pleins, mais je vais pas en chercher parce que j'ai trop de bouffe, donc pour l'instant je les laisse dans mes pièges. Le problème, c'est que là, mes poches sont pleines, et puis j'ai besoin de tout ce qu'il y a dans mes poches, en fait. Ouais. Non, peut-être pas ça, en fait. Les stingers, là, les... Comment on traduit ça, les stingers? Les dards. Ouais. Les dards, je n'en ai pas encore besoin, pour l'instant. Enfin, j'en ai plus besoin, disons, parce que là, il va me falloir des roseaux, sauf que bah, là, c'est bientôt la nuit, donc je vais clairement pas aller approcher des marais la nuit. Je vais peut-être y aller demain, tiens. Je vais peut-être y aller demain pour aller rechercher des roseaux. Ouais. Juste avant l'hiver. Parce qu'après, pendant l'hiver, je vais peut-être éviter de trop m'éloigner de mon camp, quand même. Je vous avouerai que je vais peut-être éviter de faire n'importe quoi. Voilà, pig house. Bon, ça, je peux toujours pas y faire grand-chose. Ça, on s'en fiche. Voyons voir science. Ah. C'est machin qui m'intrigue quand même, je crois que je vais essayer de me faire ces trucs. Donc pour vous y montrer en fait, je vous avais dit une fois que là tous les thermomètres, enfin ces machins qui font partie de la rubrique scientifique, je vous avais dit que j'avais rien compris à quoi ils servaient, mais je vous avais pas montré en fait comment ils fonctionnaient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous construire ça maintenant. J'ai largement assez de bois, enfin maintenant j'ai plus de bois, mais je vais me couper un peu de bois pour passer la nuit. Et entre demain et après-demain, je vais aller chercher un peu plus de roseaux possible, pour me faire des fléchettes, au cas où je me fais agresser par des monstres pendant l'hiver. D'ailleurs, parlant de monstres pendant l'hiver, là justement, les fameux phoques qui venaient des Walrus Camp. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière partie justement, mais il y en avait 3-4 de ces machins hein, qui faisaient popper des phoques.
Là, je n'ai pas encore croisé un seul, et pourtant la carte elle est grande. Hein. C'est vraiment là qu'on voit que c'est vraiment complètement aléatoire. Hein. On peut avoir pas de chance, c'est-à-dire avoir 3-4 de ces machins d'un coup, comme avoir beaucoup de chance et pas en avoir du tout, quoi. Donc vraiment, Don't Starve, il y a une grosse part de chance quand même dans le jeu. Hein. Par exemple, là, la pierre qui me permet de ressusciter. Là, dans ma super partie que je vous avais dit que j'aurais bien voulu vous faire la dernière fois, mais que finalement j'ai pas pu faire parce que justement la mise à jour s'y était pas appliquée. J'espère qu'il va pas arriver à cette partie quand même. J'en avais trouvé 3. 3 de ces machins qui faisaient ressusciter. J'ai trouvé 3 pierres comme ça qu'il faut ressusciter. C'était la première fois que j'en avais trouvé autant, quoi, dans une seule partie. C'est là qu'on voit que la chance, elle détermine tout, quoi. Une partie, ça peut vraiment être vachement simplifié si vous avez de la chance, quoi. Le problème, c'est que... Casse-toi, merci. Le problème, c'est qu'il faut en avoir de la chance, hein. Et ça, c'est pas forcément toujours mon truc. Malheureusement, j'avais pas toujours beaucoup de chance dans mes jeux. En général, j'ai même souvent la tendance à avoir pas de chance du tout, d'avoir toutes les catastrophes possibles qui me tombent dessus, donc... Vous rajoutez à ça mon inaptitude générale à me sortir des situations dangereuses. Alors, voilà, donc on va faire... Ah oui, il va me falloir aussi des pépites d'or. De toute façon, les pépites d'or, j'en ai combien? Oui, voilà, 29 pépites d'or, je sais pas quoi en faire, donc... Je vais vous montrer à quoi ça sert. Alors, voilà, le Winthermomètre. C'est un nom un peu... Un peu bizarre, mais c'est un thermomètre, quoi, en gros. J'ai aucun endroit pour le foutre. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir le mettre? Je peux le mettre nulle part. Oh, allons. C'est pourri, mon camp, il est pas assez grand. De toute façon, je pense pas que j'en ai besoin dans mon camp, donc je vais le mettre là. Ouais, je crois que c'est dangereux ce que je fais, là. Voilà. Bon, ok, je vous montrerai demain. Je l'ai mis dehors. Puis encore un autre objet. Voilà, le rainomètre. Lui, il vous permet, d'après ce que j'ai compris, de vous déterminer à l'avance s'il va pleuvoir ou pas, en fait. Je vais vous montrer ça aussi. C'est plus petit. De toute façon, je vais mettre en dehors de mon camp, ça on s'en fout de ces machins, c'est pas important d'y protéger. Les monstres vont pas s'y attaquer. Même s'ils s'y attaquent, ça serait pas une grande perte. Au bout d'un moment. Alors... On va manger ça avant que ça pourrisse, hein. De toute façon, elle a très vite faim, je vous l'ai dit, son intestin est beaucoup plus petit. Voyons voir, je suis quoi, je suis à 27 minutes. Ah bah, ouais, 27 minutes, ça va faire une demi-heure, il reste un quart d'heure. On va tout juste peut-être pas arriver à l'hiver, mais... Ah oui, c'est vrai, je peux faire des pièges aussi avec ça. Attendez, c'est où? C'est maintenant que j'y pense avec les abeilles. Je peux faire je vous avais dit qu'on pouvait faire des trucs, des pièges avec les abeilles. J'en avais jamais fait non plus, mais ça pourrait être pas mal. J'en avais jamais fait jusqu'à présent. Mais là, c'est tout d'un coup que j'ai eu... Illumination, je me rappelle que je pouvais faire ça. Je sais plus sous quoi, c'est peut-être sous combat. Voilà, bee mine. Une mine à abeilles. Écoutez, il me reste du filet, ouais, alors je vais essayer de me capturer quelques abeilles pour essayer de me faire ce truc. Ça peut être pas mal, ça me fait en outil de protection en plus encore. Hein. Une mine à abeilles, quoi. Vous imaginez le concept. Je sais pas comment ça marche, hein, mais peut-être que si un ennemi marche dessus, ça libère les 4 abeilles que je dois mettre dedans apparemment. Bon, si c'est le cas, j'espère que c'est pas sur moi qu'elles vont s'attaquer, mais si elles s'attaquent aux monstres, ça peut être vachement fort. Hein. Ça fait des gros dégâts, les abeilles, quand même. Surtout si elles sont 4, ça fait un mini essaim d'abeilles que je balance sur les ennemis. J'avoue, ça peut être pratique. Et du coup, je vous ai même... Pff, je suis con. Je vous les ai construits, puis je vous les ai même pas montrés, finalement, les thermomètres, puis les... Puis le... Enfin, c'est pas un thermomètre, pardon, c'est un winteromètre, mais... Puis l'autre, c'est pas un... Puis l'autre, c'est quoi? C'est un rainomètre, n'est-ce pas? J'adore les noms de ces trucs, mais... Allez, on va attraper celle-là. Hop, bon, ça va réveiller les autres. C'est juste ça qu'il faut faire gaffe. Faire gaffe aux essaims. Donc si vous capturez des abeilles trop près des ruches, comme ce que je vais faire, là, comme un abruti... Ah non, c'est bon. Ah, c'est non. Si, si, bah, vous voyez, ça va appeler des essaims, en fait. Les abeilles rouges, c'est des abeilles de combat, d'après ce que j'ai compris. Enfin, ça doit être les abeilles, les gardiennes de la ruche, quoi. Ils sont là pour protéger la ruche. Donc, si on capture, voilà, vous voyez, j'en ai capturé une, du coup, il y en a 3 qui appliquent, là. Merde. Ah, mais c'est bon, il y a... Ils ont regardé, moi, ça, il y a les buffalo qui... Il y a les buffs, plutôt, qui sont en train de les attaquer. Je me fais protéger par les buffs, dites-moi. Ah merde, donc j'ai plus de quoi capturer des abeilles, j'ai plus de... Ah, comment ça s'appelle? J'ai plus de filet. Bon, on va leur foutre la paix. Par contre, l'autre qui me court après... Ah non, c'est bon, voilà.
leur foutre la paix aux abeilles. Sans, j'ai plus rien pour les attraper, donc c'est chiant parce que j'aurais que 3 abeilles, il me manque une. Juste une pour me faire la... le piège à abeilles. Ah, regardez là-bas, il y a un stinger. Ah, c'est parce qu'ils les ont tués en fait. C'est quoi ça? Ah, du miel. Ah, en tuant les abeilles, on peut choper du miel. Bon, bah, ma foi, merci les buffles. Hein. Ils m'auront permis de ramasser une tonne de. C'est machin, j'aurais préféré les capturer vivantes quand même, mais bon, ma foi. Je peux pas tout avoir. Là, je crois que j'ai assez de nourriture pour aller là-haut, dans les. Dans les marais, chercher un peu de. Hop. C'est vraiment dangereux ces machins, faut vraiment faire gaffe quand on les utilise parce que. Ah non, merde, ça m'a ramené ici. Ok, donc ça m'amène pas du tout, je pensais que ça allait m'amener. Bon, bah, on va sauter dedans alors. Ok, alors j'ai rien dit. Alors le trou qui est là-haut en plein milieu des marais, je ne sais pas où il m'amène. Je pensais que c'était ici, mais bon, par contre, on est au 10e, 9e jour, j'ai intérêt de me manier un peu. De toute façon, là, il y a une route qui nous amène. Il y a une route qui nous amène aux marais, il y a même une route qui traverse les marais, donc. Ça c'est pratique, ça permet de. Bah, en fait, les marais, je vais dans les marais seulement s'il y a une route, en gros. Parce que s'il n'y a pas de route, j'y vais pas. Parce que le problème, je vous l'ai dit, hein, dans les marais, d'après ce que j'ai compris, si on marche sur la route, les espèces de grosses tentacules ne nous attaquent pas. Par contre, si on marche hors de la route et dans le marais, les grosses tentacules se mettent à nous agresser. Donc, Par contre, ce qui est pratique, c'est que les grosses tentacules, elles agressent aussi les autres monstres. Hein. C'est-à-dire que s'il y a d'autres monstres sur leur chemin, elles attaquent ces monstres. Ah, il y a des cochons là-bas. Enfin, je vais les voir une autre fois. Il y a peut-être un village à cochons là-bas. Faudrait que j'y pense à aller jeter un oeil. J'ai de loin pas encore exploré toute la carte, donc c'est ce que je vais m'atteler à faire. Déjà, pour essayer de trouver la fameuse porte de Maxwell, là. Pour essayer de vous montrer un peu à quoi ressemble le reste du jeu, quoi. Parce que le jeu ne se limite pas à ça, normalement, mais... Par contre, là, ça va être la nuit. Donc je vais passer la nuit ici, en fait. Je vais pas aller là-bas, parce que là, il y a les marais. Ça va être la nuit, et les marais, la nuit, je préfère... Vous savez quoi, je vais être vraiment prudent sur cette partie. Je préfère n'importe quoi. Donc, je vais me faire un petit feu de camp, là. Et je vais passer la nuit ici. Allez, un petit feu de camp. Hop. On va passer la nuit, là. On va pas faire... chercher la petite... Les embrouilles avec les monstres des marais. Parce que les marais, ils ont aussi des monstres. Hein. C'est toutes sortes de monstres bizarres. Ils sont un peu dégénérés, les monstres, dans les marais, d'ailleurs, mais... En fait, j'ai une idée. Il est où le cochon? Il y avait pas un cochon là? Ouais, si. Tiens. Parce que ma bouffe est en train de pourrir. Time for food! Il s'appelle Caracalla. Il me suit ou. Qu'est-ce qu'il fait? Petit cochon! Viens là, va pas te faire massacrer, mais qu'il est bête. Ok, bon, bah alors il va aller se battre, je sais pas pourquoi, contre les tentacules. Je vais plus filer de la bouffe pourtant. Je pensais qu'il allait me suivre, mais non, non. Il a les marafes des tentacules. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des araignées en haut et en bas, donc j'espère qu'ils vont pas m'agresser. Je vais pas couper de branches, de bois, pour éviter de me faire agresser par un arbre. Oui, je vous le dis, je suis un peu parano, là, mais... J'ai vraiment pas envie de mourir bêtement. Donc on va simplement passer la nuit là, à ne rien faire, voilà. Pour une fois, ça va être la première fois où je ne vais rien faire sur la... Je ne vais rien faire. C'est vraiment une de ces gueules, mais... Regardez-moi ça. Les orbites vides et tout, c'est vraiment un peu flippant. Ils ont vraiment des personnages assez malsains. Une araignée là-bas. Oui, d'ailleurs, bah, je vois ça, en fait. Je viens de remarquer ce détail. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo que... Il y avait un peu une... Enfin, c'était un mélange de 3D, mais surtout de 2D, un peu à la Doom. Pour illustrer mon propos, regardez l'eau, là. Regardez quand je tourne la caméra. Vous voyez l'eau? Elle a un espèce de petit bug qui fait qu'elle se repositionne pour être face à nous. C'est ça que je voulais dire par effet Doom. C'est-à-dire que les graphismes, ils sont en 2D, mais quand on se tourne, la plupart des sprites, des trucs dans le jeu, se tournent en même temps pour rester face à vous, en fait. Ils vont pas être vus de trois quarts ou de profil. Pas tous, hein. Par exemple, les persos aussi, les buffles aussi le sont. Mais il y a certains trucs, quand même, qui le font pas. J'ai plus de bois. Mon feu qui va s'éteindre. C'est vraiment pas le moment. Surtout qu'il pleut, hein. J'ai vraiment pas de bol. En plus, il pleut.
Et le problème, c'est que la pluie, pas au début, les toutes premières versions, elles faisaient pas ça, mais maintenant, depuis les dernières mises à jour, maintenant, quand il pleut, ce qui est un peu logique, hein, ben le feu se réduit plus vite. Ce qui est évident en même temps, mais. Par contre, il y a ma sentimentale qui dégringole, mais à une vitesse folle. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je mixe. Oula! Parce que je mixe le. Et la pluie et la nuit. Alors, ces bruits flippants, c'est les buffs qui ronflent. Hein. Oui, les buffs ronflent parfaitement. Bon, je vais mettre ça. Allez, hop, voilà. Comme ça, je suis sûr que. Oh merde! Oh. Oups, j'ai un peu trop allumé de feu là. J'allais dire, oui, je vais mettre les planches là-dedans, comme ça j'allume un bon feu pour être sûr de voir quelque chose. Ah bah là, c'est bon. Je suis éclairé pour la nuit, là. Quelle abruti, mais. Bon, j'ai foutu le feu aux trois quarts de la forêt, mais c'est pas grave. Je vais me permettre de prendre un peu de charbon, tiens. Ah, je savais pas ça. En fait, le feu, quand il est trop grand, il peut lécher les arbres et foutre le feu aussi. Pas mal, je n'ai jamais remarqué ça. C'est logique, encore une fois, vous me direz, mais je n'avais jamais remarqué. Alors, on va essayer de. Ah, bah là, il y a une pig skin là. Faut de cochon, merde. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il y a des tentacules partout. Parce que vous voyez là, j'ai pas marché sur le. J'ai pas bien marché sur le chemin, du coup, il y a des tentacules qui sont sortis de terre et qui m'ont agressé partout. Non, 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 oh non, oh non, oh non, non, non. Laisse tomber, hors de question que je meure. Hein. J'ai plus de vie, donc je vais pas aller là-bas, je m'en fous. Je m'en vais. Lâche-moi, connerie. Parfait. Oh, vite, faut que je bouffe des trucs. N'importe quoi, mais faut que je regagne de la vie, là. Ah non, mais c'est pas vrai, quoi. Ah, mais attendez, j'ai mes machins pour me soigner, là. Ah oui. Ah, ça rapporte 20 points de vie. Ah oui, non, mais ça vous sauve la vie, quand même, c'est 20 points de vie. Hein. Ah ouais, non, mais alors là... Bon, ok, donc on s'en fout, on va pas chercher de roseaux pour cette fois. Je ne vais pas chercher de roseaux. J'irai chercher des roseaux, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais bien passer par là, parce que là, il n'y a pas de marais, donc, et puis là, il n'y aura plus que de la route. Donc je ferai ça, mais l'été prochain. Hein. C'est-à-dire que là, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais aussi manger des pétales de fleurs. J'ai remarqué, les pétales de fleurs, quand vous les ramassez, donc ils vous rapportent 5 points de santé mentale, et quand vous les mangez, ça vous rapporte 1 point de vie. Alors vous allez me dire, ok, bon, ça rapporte un point de vie, c'est pourri, ça sert à rien. Mais non, non, je vous rassure, quand vous avez tout un tas de fleurs, et puis que vous les bouffez, et que ça vous rapporte un point de vie à chaque fleur, ça vaut largement le coup. Surtout quand, comme moi, ça fait pas beaucoup de vie. Là, vous avez vu à quelle vitesse je l'ai perdu? C'est hallucinant. Hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, il me restait quoi, 10 points de vie avant que... Vous voyez, voilà, comme ça, vous aurez eu un exemple. Vous aurez eu un exemple de la dangerosité des marais. J'ai mis le pied... J'ai peut-être marché, j'ai peut-être fait deux pas dans les marais, puis il y avait 5 tentacules qui sont sortis d'un coup. Donc, comme demain c'est l'hiver, on ne va pas faire l'handicapé, et on va foncer directement à notre camp, et on va y rester. Hein. On va rester bien au chaud. Ah non, parce que alors là, non merci, hein, je ne compte pas mourir bêtement. Tant pis pour les fléchettes. J'irai en chercher l'été prochain. Peut-être pendant l'hiver, si je suis bien préparé, mais en attendant... au cas où, si je vous ai dit que j'avais trouvé un truc, ouais voilà, c'est ici. Là, c'est une entrée de la grotte. C'est-à-dire que de toute façon, si on va aller dans les grottes, il va falloir passer par les marais, donc on n'aura pas le choix. En revanche, il va falloir que je trouve un moyen d'y passer de manière sécurisée. Mais je vous dis, je pense que je vais prendre ce truc pour me téléporter là-bas. Ensuite, je vais faire tout le chemin ici, parce que là, il y a une route. Tout le long, là, il y a une route. Donc, je vais prendre la route ici. Et puis je vais prendre la route qui est là dans le marais. Puis je vais faire comme ça. Parce que vous voyez, il y a des roseaux un peu partout autour de la route. Je vais faire comme ça. Ou quitte à m'engager une armée de cochons, peut-être. Un truc comme ça, mais... Il faut absolument que je fasse quelque chose, parce que... Là, non merci, je vais non seulement pas mourir bêtement... Ces grenouilles là, ça aussi ça peut vous attaquer. En tout cas, les grenouilles qu'il y a comme ça dans les marais, elles vous attaquent aussi. Hein. Même une grenouille quoi. Même une grenouille ça vous attaque. Non, c'est plutôt un crapaud qu'une grenouille là. Mais... Allez, 110 points de vie. Vous voyez, ça remonte quand même gentiment avec les fleurs. Hein. Donc, manger des fleurs, ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, de toute façon, j'ai largement. De toute façon, franchement, je ne vais pas mourir de faim cet hiver. Hein. Regardez-moi ça. Je ne vais pas mourir de faim cet hiver. Hein. Clairement pas.
l'instant l'hiver va commencer là, donc on va s'arrêter là. Bah de toute façon on va, oui, on va s'arrêter là. Ouais, on est à 39. Ah bah ça sera parfait. 39 minutes de vidéo, c'est-à-dire que bah, on va arriver au jour 21, donc au début de l'hiver, ça devrait normalement être pas loin des 45 minutes de vidéo, donc c'est parfait. Ah, c'est le timing des champions là. J'aurai pile les 3/4 d'heure que je veux faire pour mon let's play secondaire. Et en même temps, on sera pile arrivé à l'hiver, c'est-à-dire qu'à partir de la prochaine vidéo, on devra se battre contre les éléments. Ouais. De toute façon, il n'y a plus grand chose qui peut m'arriver maintenant. Bon, là j'ai eu vraiment un gros coup de flip, j'ai cru que j'allais mourir. Non, mais franchement, vous avez vu comme j'ai failli mourir bêtement, quoi. Il faut vraiment que je fasse gaffe, là, surtout que bah, il me reste 112 points de vie. Donc, il faudrait, effectivement, comme l'un de vous l'a déjà dit, il faudrait absolument que je télécharge un mode. C'est un mode qui permet de porter apparemment et une armure et un sac en même temps. Et, parce que j'ai pas le réflexe. J'ai tout simplement pas le réflexe de m'équiper de l'armure. Là, si j'avais eu l'armure, j'aurais pris largement moins de dégâts. Je pense que ça faciliterait un peu la vie, c'est un peu, on va pas dire de la triche, mais c'est un peu cheaté quand même de pouvoir faire ça, parce que c'est pas prévu par les développeurs, mais franchement, je compte pas mourir bêtement comme ça. Parce que là, j'ai fait vraiment failli mourir bêtement, quoi. Ouais. En fait, quand j'ai les mains pleines, je fais ça, j'ai trouvé la technique. Vous lâchez le lapin par terre et vous le tuez, voilà. Ça marche aussi, parce que le lapin il s'enfuit pas quand vous le relâchez, comme il y a encore la trouille. Bon. Bah, notre camp m'a encore donné des légumes. Largement assez de viande. J'ai presque récupéré toute ma vie. Je vais vous illustrer. Voilà, vous voyez, à gauche, il y a le thermomètre, qui nous indique donc bel et bien que la température est assez basse. Quand elle est vraiment dans le bleu, tout en bas, c'est que c'est l'hiver. Et là, vous le voyez, il y a le beau soleil, nuageux et pluie, je pense que ça veut vouloir dire ça. Et bah, si j'avais regardé ce truc hier avant de partir, par exemple, bah, j'aurais su que la nuit suivante, et bah, il allait pleuvoir. Bon, des lasagnes de monstres, ça je vais pas les utiliser. Hein. Ça, non merci. Je vais pas demander de manger ça, mais c'est pas grave. Non, les lasagnes de monstres, ça vous fait perdre de la vie. Je n'y tiens guère. Mine de rien, il y a la nuit qui s'allonge, hein, si vous l'avez remarqué. Ça aussi, c'est pas mal comme petit détail, la nuit s'allonge. Et le jour devient de plus en plus court aussi, donc pendant l'hiver, c'est un peu plus compliqué de survivre. Mais je ne compte pas mourir bêtement, donc... J'ai déjà failli le faire, là. Franchement, j'ai eu la trouille. Hein. J'ai vraiment, vraiment eu la trouille. Parce que ces tentacules, vous pouvez pas prévoir, quoi. Il faut vraiment marcher absolument sur la route. Si vous marchez hors de la route, je sais juste pas comment faire si on marche pas sur la route, quoi. C'est simple, je sais juste pas comment faire, si je marche pas sur la route, je sais pas comment faire pour pas mourir. C'est aussi simple que ça. Et la viande de monstre, on va l'utiliser pour attirer les lapins, je sais que ça sert à rien, mais je m'encombre et de toute façon je vais pas la manger. Parce que ça vous fait perdre de la vie, donc... Oh, j'en ai encore une de... Attends, c'est des lasagnes de monstre qui m'a redonné là, non? Je m'en fous de ces trucs. Je veux pas de tes lasagnes de monstre, moi. Ah oui, c'est juste, et puis j'ai chopé une peau de cochon aussi. Faudra que je vois comment je peux m'en servir de ça. Je pouvais construire là des maisons pour cochons, mais je crois qu'il en faut beaucoup plus, hein, des peaux de cochon. Sans qu'il en faut 4. Ouais, voilà, 4. 4 peaux de cochon pour avoir une maison à cochon. Ce qui me permettrait d'avoir en fait un protecteur à domicile. C'est super cochon qui me protégerait à domicile. Ça serait pas mal quand même, je vous avoue. J'aimerais bien. Bon, et ben voilà, alors je crois qu'on va s'arrêter là. On est à 43 minutes, donc d'ici la fin de la nuit, on va atteindre l'hiver, donc. Et il va falloir commencer à se protéger, à lutter contre l'hiver. Voyons voir, est-ce que je pourrais faire un truc avec le miel, peut-être Ah oui, non, je vais me faire ça, alors. Plutôt que me faire une maison à cochon, je sais ce que je vais me faire. Ouais, ça, parce que ça, c'est énorme, ce machin. Ça, je sais que c'est énorme. Je vais mettre les Stingers là-dedans. Je vais me faire ça, parce que ça, je sais que c'est énorme. Le football helmet. Où est-ce qu'il a, le football helmet? Bah, il est passé où? Dans pas d'endroit, quand même. Je vais juste me faire ça avant. Ouais, voilà, le football helmet.
protect your brain case. Donc protège votre votre boîte à cerveau. Regardez-moi ça. Ça lui fait une tronche bizarre, mais voilà, ça c'est une pièce d'armure en fait. Ça c'est un casque, c'est une pièce d'armure supplémentaire. Et bah voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là, on est libéré. C'est la première fois que je réussirai à le construire. Donc apparemment c'est aussi un système de 100%, donc il va pas pourrir comme le truc de... Donc ça va me rajouter une pièce d'armure supplémentaire. Tac. Attention là, je suis le parfait soldat là. Avec l'armure, le casque. Bon. Faudra que je réfléchisse à prendre ce mode justement pour pouvoir m'équiper des deux. Mais bon, on va s'arrêter là les amis, donc on va sauvegarder ici parce qu'il y a le jour qui va tourner, le jour tourne vite en hiver. Bon, bah, on sera pas loin. Passer pas loin de la mort encore une fois, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Mais nous voilà, donc on est aujourd'hui à 3 jours de la prochaine update, comme c'est écrit en bas à gauche. J'espère qu'elle va s'appliquer à cette partie. Au pire, c'est pas bien grave, on aura quand même plein de trucs à faire sur cette partie, comme vous pouvez le voir. On a vu plein de nouveautés, hein. Je vous ai montré plein de nouveautés, j'ai fait exprès de pas les faire justement pour dans l'optique de faire cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici la prochaine, portez-vous bien, salut à toutes et à tous.